Alors, on s'en va voir Pierre. Pierre, il a été atteint du cancer il y a 3 ans. Il a appris qu'il avait le cancer. Puis la manière qu'il a battu le cancer, c'est avec le courage. Mais pas n'importe quelle sorte de courage. Il l'a battu en fumant la cigarette. Il a décidé que pour lui, le stress, c'était terminé. C'est ici que Pierre reste. Allô, Pierre? Hey, bonjour, bonjour! Je n'entendais pas de suite. Je vais voir le truc, mettre mon manteau et ma casquette. J'arrive tout de suite. Parfait, c'est bon. On va attendre que Pierre mette son manteau et sa casquette. On peut voir, il y a gros des jeunes dans l'appartement. Pierre, il nous a dit qu'il aimait ça fêter un peu pour essayer de faire passer son stress. Puis c'est comme ça qu'il a battu son cancer, voyez-vous. Donc on va attendre que Pierre ouvre la porte. Excuse, c'est parce que j'ai des petites affaires ici que je veux pas te montrer à tout le monde. Écoute, ok, c'est bon. Tu sais, tes petits habits à l'école, là. On va sortir pour parler, Pierre. Suivez-moi. Le 2 février, ça, c'est la journée que j'ai été diagnostiqué d'un cancer généralisé. Depuis ce temps-là, ma vie a changé, tu sais. Mais moi, je le sais, mes chums, ils me l'ont souvent dit, Pierre, t'es solide comme le rock. Fait que je me suis pas laissé abattre par cette nouvelle-là. Puis j'ai décidé de profiter de la vie avant tout ça. Je fumais pas, moi. Moi, la cigarette, mon petit gars, tu m'aurais jamais vu avec ça au bec. Qu'est-ce qui a fait que t'as préféré la cigarette à la chimiothérapie? Alors, la chimiothérapie, moi, je les aime bien, mes longs cheveux bruns, ainsi que ma pilosité faciale. Je voulais pas perdre ça. Moi, on m'annonçait ma mort sur des feuilles de papier comme ça, là, lancées dans le bureau du médecin. Le cancer, on m'a dit une fois, le cancer, là, c'est le stress qui cause ça. Moi, c'est vrai. J'étais stressé avant de fumer, j'étais stressé avant de boire, puis de fêter, de faire la fête. Monique a toujours été là, ma cousine. Des fois, Monique, elle roulait ses cigarettes, là, des petites cigarettes indiennes qu'elle les appelait, là. Et on riait après ça, mon ami, là. Ça avait plus de bon sens, là. Le stress, on a mis ça de côté à ce moment-là. C'est quand vous avez appris que vous aviez plus le cancer? Ça, ça remonte à 3 mois. Voilà 3 mois et on m'a dit « Hey, t'es en bonne voie, continue comme ça, mon gars. Tu vas le battre, ce cancer-là. » La cigarette, elle a joué tout un rôle aussi, là. Donc, c'est l'arme! C'est mon arme contre le cancer! C'est la... C'est officiel, donc vous avez plus le cancer, là. Le cancer est entièrement disparu. Oui, il se dissipe. Il me reste une petite tumeur, là. Ils appellent ça un kiss. Ils vont m'enlever ça, là. Tout de suite, pif-paf. Ah ouais, on va fêter, fumer de la cigarette puis boire de la bière. Plus question que le cancer m'approche. Plus question. Plus jamais il va remettre les pieds chez nous, ce style-là. Fait que... Au café Sophia. J'ai mes cigarettes dans le tout. Imagine ça! Il était tombé dans le fond de l'auto. Aïe, aïe. Donc, toi, tu viens manger souvent ici? Oui, je viens souvent prendre un petit café ici. Encore là, pour combattre le stress. Le petit café, ça me déstresse. Fait que, avant qu'on aille au monastère, j'aimerais ça que tu me parles de ta première rencontre avec Dieu, Pierre. C'est bien bon. Je me suis brûlé avec ma cigarette. Calisse. On m'a rallumé un autre. Fait que, ma rencontre avec le bon Dieu, tu sais, écoute, chaque personne a sa façon d'interpréter Dieu. C'est Monique qui m'a ouvert les yeux là-dessus sur le monastère, la religion catholique,
j'allais pas là, puis je suis allé là un an, l'année d'après, je reviens. Puis il racontait encore la même histoire. Depuis ce temps-là, j'ai fait, oh, moi, la religion, c'est pas fait pour moi, me faire répéter les mêmes histoires à chaque année. J'avais cancellé ça. Mais quand j'ai annoncé à Monique, tu sais, que j'avais mon cancer, premièrement, elle m'a sorti un paquet de cigarettes, elle dit, fume ça, mon gars, t'es trop stressé, ça va te déstresser. Puis après ça, elle m'a parlé de Dieu. Puis là, c'est là que j'ai fait mon immersion dans la foi divine. Quel tiranno tutti uccisi voi foste. Pensian con voi la madre sventurata. Vous allez voir, c'est une très belle place, le monastère. Ce serait la plus belle place si on pouvait fumer à l'intérieur. Pas grave, il fait beau. La nuit est belle. Après ça, c'est l'heure de la bière, il fait noir. Une petite prière, puis après ça, la bière. C'est Monique qui m'a montré cette place-là pour la première fois. C'est avec elle que je suis venu ici, dans le fond. Vous allez voir à l'intérieur, c'est une très belle place. Moi, je viens ici à chaque dimanche soir faire ma prière au bon Seigneur. Donnez-moi juste deux petites minutes, je vais aller faire ma prière. Petit rituel que j'avais ici durant mon combat contre le cancer, c'était d'allumer un lampion pour ma mère Thérèse. Merci, maman. Merci. Bon, il est un jeune, on est bon la vieille. Fait que là, qu'est-ce qu'on s'en va faire? On s'en va dans un petit resto-bar que j'aime bien au centre-ville. On s'en va prendre une petite bière là-bas. Le personnel est bien funny, puis la bière est pas chère. La serveur est bien occupée aujourd'hui, puis ça bouge à soir. C'est qu'on va venir prendre une petite bière. Une chose de jeune, moi et toutes les personnes que j'ai rencontrées durant mon cancer qui étaient aussi atteintes de cette maladie-là, ça va sembler paradoxal, là, mais 80% d'entre eux, ils buvaient puis fumaient la cigarette. Que bien. Bonne bière. J'aime bien ça venir ici. La bière, c'est belle fun. La bière est pas chère puis elle est bonne. Et on peut fumer une cigarette avec les belles serveuses. Thank you.